Angelo Gasny en discussion ici avec David Cotin, le partenaire de Shallon Rock. Et ce sera un parcours déjà important qui va être proposé à ces steeplechasers pendant que vous voyez la LDC, 4400 mètres à couvrir avec l'intérieur à l'occasion du premier tour, la rivière ensuite, et on se dirigera vers la piste extérieure des steeplechase et son Rally Chan Fence. Il est intéressant de revoir le comportement de Jamie Bay, hein, parce qu'il a chuté au high ditch dans le grand steeple, et l'autre jour pour sa rentrée il évitait, hein, le high ditch. L'obstacle, c'est le juge de paix comme vous le disiez, puis qui est même impressionnant même pour les chevaux, hein, c'est un obstacle dont ils se souviennent. Jonathan Mathieu étant le partenaire de Vieux Morvan, Casac Orange, qui est juste devant vous et qui a à ses côtés Saint-Palois à droite. Jacques Ricou, rappelons-le, qui a donc pris son joker aujourd'hui, c'est bien naturel, pour être en selle sur son champion Milord Thomas, qui lui aura offert le premier grand steeplechase de sa carrière. Tout petit ce Jimmy Bell. Mais il est très rapide. Vous dites, oui. C'est Mathieu Caron, hein, qui est pilote de Vézelay. Jonathan Pougano, malheureusement, est sur la touche. On notera également que Arnaud Duchesne est également grand absent, hein, de cette journée. Et qui aurait dû piloter Saint-Pistol. Et d'ordre général, on souhaite beaucoup de patience et de courage à tous ces jockeys accidentés. Et par éminent, pour l'Euro 12 de 2015, c'est Vincent Bois qui va partir devant. Vieux Morvan, le numéro 8, Casac Orange et Noir, qui va tout de suite s'installer en tête de course dans ce prix Hero 12 2015. Vieux Morvan qui anime donc cette compétition, avec en deuxième position le numéro 9, Vézelay Casac Rouge, alors que l'on retrouve en troisième position à la corde le numéro 10. Il s'agit de Saint-Palois, accompagné en quatrième position par le numéro 6, Pindard, Jamie Bay, galopant côté corde, avec ensuite le numéro 12, Razik, une Casac jaune et violet qui vient à son extérieur. Le champion Milord Thomas, Casac Leclerc Top Rouge, est pour l'instant placé côté corde par Jacques Ricou. Il est suivi par le numéro 11, Iroufika As, qui vient maintenant avec deux représentants Papo qui sont en retrait. Notamment le numéro 5, il s'agit de Vent Sombre, et le numéro 4, Royal Astarania. Ouais, pas de tour de chauffe, hein. C'est tout de suite la piste intérieure qui est proposée aux steeplechasers dans ce prix Hero 12, dernière préparatoire avant le prix La Haye-Jousselin. C'est Vézelay qui s'est installé aux commandes de l'épreuve et qui a relayé désormais le numéro 8, Vieux Morvan. On va suivre bien sûr Milord Thomas, le gagnant du grand steeple, qui est au sein de ce peloton. C'est la Casac Bleu Ciel avec la toque rouge, c'est le numéro 1. Alors qu'ils vont aller franchir le gros open ditch, sous l'impulsion du numéro 9, Vézelay. Un obstacle que tous les concurrents ont franchi. Vézelay le premier donc, qui se rend maintenant vers le mur en pierre. Alors que l'on retrouve à ses côtés le numéro 8 donc, qui vient, il s'agit de Vieux Morvan. Accompagné en troisième position par Saint-Palois et par le numéro 12, Razik à l'extérieur. Milord Thomas patientant, Shallon Rock, le numéro 2, Casac Blanche Toc Noir est là également avec Jamie Bay qui vient pour l'instant à la corde. Alors que le 11, Iroufika As est dans la deuxième partie d'un peloton qui va franchir la dernière revêt de la ligne d'en face. Oui, il a été fautif tout à l'heure au gros open ditch chez Rouficard et maintenant donc en queue de peloton, en tête de course. Ça se passe toujours bien pour Vézelay, animateur de la course, avec en deuxième position le numéro 8, Vieux Morvan. On retrouve également bien placé Saint-Palois, le numéro 10. Razik, la Casac jaune, est à son extérieur avec dans les chevaux en vue, on a Shannon Rock, on a également Saint-Palois et Jamie Bay qui sont ensemble. Ils sont pratiquement au coude à coude tous les trois. Alors qu'ils sortent du tournant de Passy et vont aller franchir la double barrière sous l'impulsion toujours aux commandes du numéro 9, Vézelay, avec Vieux Morvan, le numéro 8 qui vient dans son dos. À son extérieur, Saint-Palois en quatrième position, Milord Thomas, Razik le 12 qui vient en dehors, Shannon Rock est toujours bien placé avec David Cotin devant Jamie Bay, alors que l'on retrouve pas mal de représentants Papo qui sont pour l'instant en position d'attente. C'est le cas du numéro 5, Vanson, c'est le cas également du numéro 4, il s'agit de Royal Astarania, alors qu'il passe devant les tribunes et se dirige maintenant vers la rivière avec Vieux Morvan, le numéro 8 qui est en tête de course. Oui, il a relayé maintenant à Vézelay pour aller sauter cette rivière des tribunes. On voit un cheval qui va s'isoler. C'est Saint-Pistol, le numéro 3, qui va venir plutôt côté corde pour sauter cette rivière.
direction la haie du pavillon une nouvelle fois. Avec à l'extérieur le numéro 8, Vieux Morvan. En deuxième position, la casaque rouge pour le numéro 9, Vézelay. Avec en troisième position à la corde, Milord Thomas, Saint-Palois, le numéro 10. Et quatrième, Razik en jaune, qui vient à l'extérieur devant Jamie Bay également. On retrouve ensuite le numéro 3, Saint-Pistol, qui est côté corde devant le 6, Pinda. Accompagné à l'arrière par le numéro 11, Iroufika As. Accompagné également par le numéro 4, Royal Astarania. Et par le numéro 5, Vent Sombre. Et à sa main, Milord Thomas, côté corde, s'est rapproché en tête. Et bien maintenant, à la hauteur et épaulé, numéro 9, Vézelay, avec Vieux Morvan, qui est également très proche des chevaux de tête. On retrouve ensuite le numéro 3, Saint-Pistol, avec également Saint-Palois, les deux représentants de la casaque Papo qui sont là. Ils sont également accompagnés par Shannon Rock. Alors qu'ils étaient sur la butte, direction maintenant le Rail Ditchan Fence, avec toujours aux avant-postes les mêmes, c'est-à-dire Vézelay qui est là, mais surtout Milord Thomas qui s'est maintenant rapproché en deuxième position avec le numéro 8, Vieux Morvan, qui est en troisième position, et vient encore avec le numéro 3, Saint-Pistol, accompagné également par Shannon Rock, qui est cadencé par David Cotin pour aller franchir le juge de paix. Bien franchi par tous les concurrents. Notre Kirofikuras, le numéro 11, a été arrêté. On va les franchir maintenant un nouvel obstacle. Attention, il ne faut pas se relâcher. On retrouve en tête Razik à l'extérieur, Vézelay et côté corps, Milord Thomas. Alors qu'il se dirige maintenant vers la dernière haie de la ligne d'en face, avec Razik, le numéro 12, Phil Carberry, qui est venu à l'extérieur de Vézelay, avec en troisième position Milord Thomas, qui est là, avec également le numéro 4, Royal Astarania, qui essaie de faire mouvement à l'extérieur. Shannon Rock, qui est là, accompagné à la corde par Jamie Bay. On retrouve ensuite notamment Pindar, c'est la casaque violette, alors qu'ils abordent bientôt le dernier tournant. Royal Astarana donc est à l'arrière-garde avec le numéro 10, Saint-Palois, qui a perdu le terrain, et c'est Vézelay qui est en tête avec Milord Thomas qui est dans son dos. On traque Vent Sombre également, le numéro 5 a été arrêté devant le Rail Ditchan Fence, sortie de tournant avec toujours Vézelay en tête de course. Vézelay qui a l'avantage pour se rendre maintenant vers la double barrière avec à sa hauteur pratiquement le numéro 3, Saint-Pistol, Milord Thomas, Jamie Bay, et à l'extérieur le numéro 8, Vieux Morvan, qui vient encore avec le Shannon Rock, alors qu'il se dirige maintenant vers la dernière. Une chute du numéro 8, Vieux Morvan. Vézelay qui est en tête de course maintenant pour se diriger vers la dernière haie. Vézelay qui a l'avantage avec Jamie Bay de plus en plus fort, avec Milord Thomas qui est là, avec Shannon Rock également qui tente de refaire du terrain à l'extérieur. Vézelay numéro 9 qui repart de plus belle, mais Milord Thomas qui vient de plus en plus fort à son intérieur, avec Jamie Bay également qui refait un petit peu de terrain. Vézelay, Milord Thomas, Vézelay, Milord Thomas, Vézelay qui repart encore, Vézelay qui s'impose. Milord Thomas est deuxième, la troisième place reviendra à Jamie Bay. Et la victoire de Vézelay, le numéro 9 qui s'impose dans ce prix Hero 12. Vézelay qui a repoussé tout le monde dans cette compétition, lauréat du Georges Courtois l'année dernière, lauréat aujourd'hui du prix Hero 12. C'est Mathieu Carreau qui lui est associé, l'Emmanuel Clayeux, l'entraîneur, et la casaque de Monsieur Joubert. La deuxième place pour Milord Thomas qui était remarquable également. La troisième place pour Jamie Bay, le numéro 7. Et voilà pour l'arrivée de cette compétition. Notre à la quatrième place du numéro 10, Saint-Palois. Vézelay pratiquement de bout en bout.